Bonjour à tous, bienvenue dans Vive l'Europe. Aujourd'hui, je suis avec Christina Saillard. Merci de m'avoir invitée. Salut Christina. Salut Daniel. Tu sais que tu es seulement la deuxième femme à passer dans l'émission. Je suis ravie. Je suis privilégiée alors, je pense. J'avais hâte de faire cette émission. Eh ben écoute, je suis très content vraiment qu'on puisse la faire. Alors comme vous pouvez l'entendre à ce charmant petit accent, Christina est roumaine. Accent de l'Est. Accent de l'Est, oui. Qui sont peut-être spécialement la Roumanie. C'est difficile de les distinguer un petit peu. Alors Christina, je veux dire brièvement à mon public comment je t'ai découverte. À l'époque, j'avais une chaîne Facebook qui maintenant n'existe plus, hein. Vous savez que c'est la censure partout, tout le monde se fait censurer, on va en parler tout à l'heure d'ailleurs. En commentaire, je ne sais plus, j'avais vu Christina, j'avais cliqué sur sa page, j'avais découvert son activité. Christina fait des vidéos qui parlent d'histoire notamment, mais pas seulement. Ma première question, ça va être de te présenter finalement à mon public. Que fais-tu sur Internet? Quelle est ton activité? Primo, c'est du volontariat. D'accord. Donc là, je ne gagne rien, je ne fais que dépenser. Je n'ai pas le support de quelqu'un, je fais des voyages en Angleterre, en France, j'amène des documents là-bas. Depuis là-bas, d'ailleurs, j'ai amené pour la première fois en Roumanie des documents qui parlent de l'Europe centrale et de l'Est et qui disent des choses incroyables. Je ne comprends pas pourquoi on n'apprend pas ces choses-là à l'école. Oui. Je ne sais pas. À l'école, l'histoire qu'on nous apprend, c'est n'importe quoi. Ça ne m'étonne pas que les enfants ne veuillent pas l'apprendre par cœur. Si, à mon époque, on m'aurait donné des bouquins pareils à lire, je les aurais avalés, je pense. Ouais. L'information n'est pas seulement impressionnante, elle est plutôt choquante. On dit des choses sur « Mama Europa », ouais. Que si tous les Européens connaissaient, je pense qu'ils deviendraient tous nationalistes d'un coup. Alors, qu'est-ce que c'est le concept de Mama Europa? Je n'arrive pas à le dire, mais... Mama Europa, ce n'est pas en roumain, c'est la manière latine d'accord. de le dire. C'est la mère terre de nous tous les peuples européens. Ouais. Et pas seulement... Parce que vu ce que la physiologie, anthropologie, climatologie, blablabla, etc. nous montre, en fait, même ceux du sud qui partirent vers les Indes, vers ailleurs, oui. partout sur le globe, ils vinrent tous de là. D'accord. Pourquoi? Parce que après la dernière glaciation, Würm, on ne pouvait pas vivre n'importe où. Déjà, ce n'est pas simple de vivre. Il faut aussi pouvoir cultiver, se nourrir. Ou avant qu'on cultive, avant l'agriculture, on a dû courir, attraper, faire de la chasse pour nourrir sa famille. Oui. Et apparemment, l'Allemagne, la France, la plupart de l'Europe occidentale a été recouverte de calottes glaciaires jusqu'à très, très tard. Bon, là, on parle de la préhistoire. Okay? Oui. On ne sait pas pour quelle raison l'espace carpathique, on ne sait pas si c'est sa forme circulaire ou... On ne sait pas encore. Donc. Mm-hmm. Au niveau au centre de l'arc carpathique, cette calotte glaciaire n'a pas vraiment recouvert ce relief-là. Ouais. Du coup, ça a facilité... le développement de ces peuples-là, premiers peuples-là primitifs, qui, une fois l'expansion démographique, qu'on va mentionner plus tard dans la Bible... D'accord. En fait, c'est un fait historique, ça. Ça s'est passé vers 8000 ans avant notre ère. Il y a eu une telle expansion démographique qu'ils ont commencé à migrer. Chacun vers là où il voyait avec ses yeux. Tu t'imagines, on ne pouvait pas partir à l'époque avec des vieux, des enfants, du bétail. On ne pouvait pas parcourir de longues distances. On marchait un peu, on se reposait. Il y avait un qui mourait, un autre accouchait, un autre... Les autres restaient sur place. Les plus jeunes avançaient. Ça se faisait au fur et à mesure. Avec les générations, on ne pouvait pas partir. On n'avait pas les moyens. Même le cheval devait s'arrêter, boire, se reposer, manger. Ouais. Mais... On a avancé au fur et à mesure, tout d'abord vers le sud, à cause du climat. Ensuite, vers l'est, ouest, c'est tardivement qu'on est parti vers le nord.
Là, tu parles, on est d'accord, tu parles des peuples européens. Là, tu parles... Oui, les peuples européens. Mais même l'Europe est aussi à la naissance des autres peuples. Là, on parle, en fait, ça, c'est un concept qui s'appelle peuple indo-irano-européen. Tu vois, donc ça couvre une plage beaucoup plus vaste. Ce n'est pas que les peuples européens. Mais pour revenir à nos peuples européens, j'ai été choquée d'aller... je suis allée jusqu'en France, aux bibliothèques, jusqu'à British. Je suis membre British Library en France, en Angleterre, pour lire de mes yeux, voir là où c'est marqué et lire des phrases du genre... parce que les Celtes qui peuplèrent la France d'aujourd'hui y vinrent de la mer Noire en remontant le Danube. Ça, c'est Jean Lemonnier, il me semble. Mm-hmm. André Lefebvre. Il y avait un autre qui disait... Parce que les Français qui... ce qu'on appelait plus tard les Celtes, ils viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Olteni. Ça se trouve en Roumanie. Mm-hmm. Bon, donc on ne parle pas de Roumanie là, ça n'existait même pas. Avant, il n'y avait pas de Roumanie, France. On parle d'emplacement géographique. Voilà, voilà, on parle de cette Mama Europa qui m'est très chère à moi. On parle de la préhistoire, on parle de l'espace carpathique. D'accord. Il n'y avait pas roumain français là. Et donc, quand tu lis des choses pareilles, tu dis pourquoi j'apprends pas ça à l'école, je voudrais que mes enfants sachent tout ça, pas que parce que ça vient de moi, mais je veux voir ça dans leur manuel. Mais on dit souvent que l'école roumaine suit le modèle français, oui. Le modèle occidental, le modèle français. Mais même en France, on n'apprend pas ça à l'école, pire encore. Et je pense, je vais pas développer ce sujet maintenant, mais je suis déçue de voir le déclin de l'école française. Mmh. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Mmh. Revenons à nos moutons. Donc, nous, on est tous parentés, frères les uns aux autres. Oui. Et s'il n'y avait pas les barrières politiques et linguistiques, je pense qu'on pourrait recréer cette Mama Europa primordiale. Et même ces barrières linguistiques, tu seras étonné, j'ai des documents qui datent depuis... quelques siècles, non, des documents qui traitent ce sujet-là, oui. Donc des manuscrits ou des documents datant du 16e siècle, 13e, 11e, je ne sais pas quoi, qui montrent une langue française, lingua franca, oui. Qu'aucun français de nos jours ne pourrait comprendre. Par contre, en roumain, même en alphabet, il comprendrait. Alors, tu fais une allusion, une langue... Tu ne parles pas du vieux français, tu parles d'un truc encore plus vieux que ça, quoi. Parce que, par exemple, Rabelais écrivait en vieux français et on arrive quand même à distinguer certains mots. Ben voilà, c'est l'évolution. D'accord. Quand est-ce que ça commence, je ne sais pas dire... moi, je considère que ça, c'est plutôt une détérioration de la langue française. Si on laissait la langue, lingua franca, telle qu'elle était... Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a modifié pour que, là je cite, pour s'éloigner de la langue des idiots. Mmh. C'était qui les idiots? C'était le bas peuple. Donc on avait créé une langue d'institution, de nobles, de écoliers, de église, de tout ça pour paraître. Plus imposant, plus autoritaire. Je comprends, créer des castes un peu. Non. Voilà, mmh. Et pour que les autres, les sots, ne sachent pas ce qu'on parle. Oui. Et l'une des latinisations forcées la plus connue de la langue française a été pendant le règne du Francisque le premier. Mmh. C'était en 1539. Et ça s'appelle tel quel, la latinisation... langue française pour s'éloigner de la langue des idiots. Mmh. Et tu verras là, dans les textes, vous dites la nôtre avec l'accent circonflexe. L'accent circonflexe manque l'absence de la lettre S. Oui, nostre. Nostre. Mmh. Tout ce qui était nostre, nostrum, pareil, vostre, hospital, fenêtre. Donc, c'est, plus on s'éloigne dans le temps, plus on s'approche, on dirait qu'on parle le roumain.
Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire, en fait, plus on remonte en arrière, ouais. plus les langues se ressemblent. C'est vrai que, par ouais. exemple, pour dire fromage, on disait formage. Et c'est quasiment le mot italien, formaggio. Voilà. Donc, parfois, quand je lis du vieux français, j'ai l'impression de lire de l'italien. Donc, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, mm-hmm. c'est ça. Une chose très intéressante aussi que tu me disais la dernière fois que nous avons déjeuné, tu me disais que contrairement à ce qu'on croit, quand on dit notamment que le hongrois et le finlandais sont des langues totalement... qui n'ont aucun rapport en fait avec les langues européennes, toi tu prétends que c'est faux. Ouais, pas moi. Ouais. Moi je ne suis pas en mesure de dire, de soutenir des choses pareilles. Mais des linguistes remarquables, mm-hmm. comme Ferenc Bakos, un hongrois, donc c'est lui qui parle des siens. Ouais, ouais. C'est pas moi qui le dis, je n'ai pas un intérêt pour le soutenir. Et lui il a une thèse fantastique, gros comme ça, il faut avoir la patience pour le lire. Il dit, tel quel, il dit. Tous les mots que les dictionnaires roumains prétendent être d'origine hongroise mm-hmm. sont en réalité en hongrois venant du roumain. D'accord. Et là, il y a plein d'exemples, pages entières comme Catherine, ça, Catherine. Bref, tout ça pour dire. Dacia Pannonica, c'était donc la Dacie carpathique, et au-delà du relief, c'était Dacia Pannonica, la Dacie Pannonique, donc c'est l'actuel territoire de la Hongrie. Là-bas, il y avait les mêmes habitants que dans les Carpates, au-delà des Carpates, il n'y avait pas de frontières avant. Mm-hmm. Les gens suivaient leur cheval, leurs vaches, moutons, ils faisaient pour aller au pâturage les plus mm-hmm. fertiles. Ouais. Donc, il n'y a pas de barrière génétique entre nous et les Hongrois. D'ailleurs, les uns furent mongoloïdes. Les mongoloïdes, ça veut dire avec des traces asiatiques. Ouais. Va en Hongrie. Et si tu me trouves un seul mongoloïde, t'as gagné. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On en avait ri la Ils dernière sont fois. Comme nous, comme nous. Nous sort toujours l'histoire qu'en fait, dans le hongrois, il y aurait du mongoloïde, après dans une part très infime. Enfin, si on voyait des bridés en Hongrie, ça se saurait, quoi. Voilà, voilà. voilà. Donc, c'est eux aussi, ils sont des nôtres. Alors, on sort du domaine... quoi que si, c'est de l'histoire, mais plus récente. On sait qu'il y a un peu une guéguerre entre les Hongrois et les Roumains. Elle est liée à quoi, pour expliquer au public? C'est territorial, c'est-à-dire que les Hongrois considèrent qu'une partie de la Roumanie leur appartient. C'est ça, en gros, l'idée. Oui, mais quand nous étions là, ouais. il n'y avait pas une Hongrie. Le premier État hongrois fut apostolique. C'est lié directement au catholicisme et c'est grâce à l'Église qu'ils ont pu exister à ce moment-là. Oui. Avant, il n'y avait rien, c'était juste des peuplasses comme ça qui parlaient plus ou moins les mêmes dialectes que nous, qui faisaient de l'agriculture dans la Câmpia Pannonica, le champ pannonique. Donc, il faut que tu saches, voilà, comme l'histoire est pluridisciplinaire. Quoi faire en Hongrie quand, après la glaciation, si on vurme, la fonte des glaciers mm-hmm. a inondé toute cette partie pannonique. Donc avant qu'elle soit cultivable et qu'on fasse là-bas de l'agriculture, on ne pouvait même pas l'habiter. Ouais. Pendant que dans les Carpates, on battait déjà une monnaie. Ouais. Donc, qui fut le premier là-bas? Alors... C'est impossible à déterminer en réalité. Ouais. Ouais, ouais, tout voilà. à fait. Alors ça, c'est un sujet dont on n'a pas parlé tous les deux, mais c'est vrai que on m'a dit, et j'ai vu des tags un peu dans toutes les rues de Bucarest. Il y a un chat, tiens. On présente le chat de la maison. De toute façon, qu'il ne fasse pas de bêtises. Je sens qu'il va détruire la caméra avant la fin de l'émission. Bon, le chat boit un verre d'eau, hein, vous inquiétez pas, c'est normal. Ou un peu de vin, peut-être. La Moldavie, le pays moldave. Beaucoup de Roumains considèrent que ça appartient à la Roumanie, non? Je crois. Hein. Alors là, c'est plus c'est de la politique que l'histoire. C'est pas qu'eux, ils considèrent. Ouais. C'est... Politiquement parlant, donc de tous les points, génétiquement parlant, ouais. Du point de vue de l'histoire, du relief, de tout, un fleuve n'a jamais séparé un peuple. Ouais. Ou une montagne, ou quelque chose de ce genre. Il faut que tu saches que la Roumanie actuelle, elle a juste on sait jamais. 1 sur 5 ouais, de son territoire ancien.
Et même de nos jours, si tu vas vers le sud, est, ouest, nord, tu parles toujours, si tu parles le roumain, tout le monde t'entend. Oui. C'est politique qu'on les a obligés à prendre le serbe de nos jours en Serbie actuelle ou le hongrois en Hongrie actuelle, etc. Mais plus de 50%, la proportion est choquante. La Hongrie, elle est trois quarts roumaine même de nos jours. Mm-hmm. On n'appelle pas roumain, on dit Valach, Welsh. C'est, ça veut dire la même chose, roumain. Donc la Hongrie est trois quarts roumaine, la Serbie est trois quarts roumaine, la Bulgarie est roumaine, on est roumain jusqu'en Grèce, jusqu'en Turquie. Tu vas pas te faire que des amis ce soir, c'est vrai que... voilà, j'ai eu tort d'utiliser le mot roumain. Ouais. En fait, tous ces peuples, on est Valach. Mmh. Les Valach se sont étendus jusqu'en Angleterre. Il faut que tu saches qu'en Angleterre et en Écosse, les Danois aussi, pour pouvoir monter sur le trône pendant des siècles, ils devaient prouver leur descendance carpathique. En Écosse, le vœu, comment tu dis en français, tu sais, quand tu jures, quand tu montes sur le trône et tu jures, vœu, voilà, pour monter sur le trône. Ouais, sacré, hein. Voilà, ils disent, ils mettent comme ça la main sur un document qui vient des Carpates et qui dit, moi, oui, je suis Valach et je jure d'honorer et de défendre mes ancêtres et mes descendants Valach, mais en parlant et en s'adressant aux Écossais. Voltaire, discours au Welsh. Quand il dit discours au Welsh, il s'adresse aux Français, mais il dit pas oh mes chers Français, il dit oh mes très chers Welsh. Welsh, alors, qu'est-ce que ça veut dire alors, Welsh? Welsh, ça veut dire Valach. C'est le mot Valach ou Vlach sous diverses formes. Ça dépend de l'écrivain, de l'époque, de la région, de la prononciation, de la langue, etc. En fait, toute l'Europe est Valach. Oui, parce que le mot Welsh renvoie à quelque chose d'anglo-saxon. C'est un peu des plats qu'on mange dans le nord de la France. Ouais. Très gras d'ailleurs et plutôt bon. Et donc, oui, toi, ça renvoie à Valach. Donc, il faut bien avoir ça en tête, quoi, sinon on ne comprend pas. Oui, les Français, les Normands, c'est pas moi qui le dis. Tout ça, c'est dans les documents. Je ne peux pas les présenter tous en une seule émission. Ouais. Mais on a ces documents qui viennent de chez les Nordiques, Germaniques... les peuples latins, pareil les Étrusques qui peuplèrent l'Italie, ils venaient des Carpates. Pour qu'on revienne à ces migrations, elles se sont passées en plusieurs séquences, elles se succédèrent. Par exemple, j'ai découvert en lisant tous ces documents de l'âge moyen, parce qu'il y a aussi des documents, des preuves depuis l'Antiquité, depuis l'âge moyen, depuis la contemporanéité, donc ça dépend. Oui. Mais il faut bien sûr parcourir plus de sources. Notre fondation, son motto, c'est « Je t'écoute pas si t'as pas minimum 5 sources pour soutenir ton thèse. Mm-hmm. » Et il faut aussi 5... arguments pro, 5 contre. Sinon, moi aussi, je peux dire ce que j'ai rêvé hier soir. Qui m'écouterait? Oui. Donc, les Grecs, pareil. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont eux-mêmes qui le disent. Leurs ancêtres sont partis depuis les montagnes de Apuseni. Où se trouvent les montagnes Apuseni, dans les Carpates. Donc, eux, apparemment, ceux qui étudient la science, hein, les scientifiques, ils ont encore cette conscience d'appartenance vers leur nord. Quand on dit le nord, quand les écrivains grecs antiques, ils parlaient de leurs ancêtres venant de leur nord, qu'est-ce qui est au nord de cette région-là? C'est Thracia, Dacia. D'ailleurs, tu sais ce que ça veut dire, Thracia, la Thracie? Non. Les Thraces. Thraciae signifie du nord, venant du nord. Donc les Thraces, c'était des humains qui descendaient sur la carte en venant du nord. Et quand ils sont arrivés dans le sud, on les a dénommés ces gens-là qui venaient du nord, Thraciae, du nord. D'accord. Voilà, donc tu vois, l'histoire dit toute seule des choses. Ouais, c'est intéressant, je ne sais pas du tout ça. D'accord, donc ils viendraient plutôt du nord de l'Europe. Voilà, pas du nord de l'Europe, mais du nord de cette région-là, de la Grèce. Ah, et qu'est-ce qui est au nord? D'accord. C'est Thracia Dacia. Avant, Thracia et Dacia, c'était un conglomérat, c'était pas deux entités. D'accord. Et finalement, les voitures Dacia, c'est un rapport ou pas? Le mec, il y a un truc qui n'a rien à voir.
Certainement, ouais. un petit clin d'œil. C'était notre symbole, ouais. Symbole national. Mais quand on t'écoute comme ça, bien sûr, on va revenir sur le sujet de l'histoire et de la culture et de la génétique aussi, à ça. On ne comprend pas trop pourquoi, finalement, tu as été viré de YouTube. Parce qu'on ne voit pas en quoi ces propos peuvent être problématiques. Donc, peut-être mon nationalisme ou peut-être parce que... Bon, là, je vais faire juste une petite parenthèse. J'ai aussi comme passion l'histoire récente, pas que la préhistoire. Mon truc, c'est la préhistoire et la proto-histoire. Mais bon, ayant autant des milliers de bouquins et étudiant autant, je suis tombée sur des choses comme... Seconde Guerre mondiale. Voilà. En plus, j'ai de la famille qui a survécu à cet événement-là, ouais. À des choses, voilà. Et apparemment, les choses ne se sont pas vraiment passées comme on le dit. D'accord. Et tu l'as parfois dit en vidéo, c'est ça? Je l'ai dit dans les vidéos. J'ai eu tort de raconter, de dire ce que j'ai trouvé dans leurs propres sources. Moi, je ne travaille jamais avec mes choses à moi. Moi, je viens toujours avec leurs propres sources. Comme ça, ils ne peuvent pas me combattre. D'accord. Et oui. Voilà, ça n'a pas convenu aux intérêts. Il y a des énormes intérêts financiers, du coup, oui. Il ne faut pas que ça se sache. Oui, mais, excusez, désolé d'avoir interrompu, juste pour ne pas oublier, oui. Pourquoi en général le maréchal Antonescu, roumain, oui. Il avait une sacrée statue à Tel Aviv comme remerciement. Donc, c'était en son hommage d'avoir sauvé 600 000 juifs qu'il a envoyés là-bas avec notre pétrole et nos navires. Et maintenant, on nous réclame toutes sortes d'intérêts en disant que non, c'est pas vrai, c'est faux. Alors, voilà. Pour être très clair, en fait, ce maréchal, c'est ça? Il était maréchal. Antonescu a été considéré pendant un temps comme un héros. Héros national. Voilà. Et bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais au niveau historique, un certain nombre de juifs ont considéré... C'est très bien ce qui s'est passé, mais on ne veut pas le dire. Ils ont considéré finalement que c'est un homme qui avait participé au... Oui, parce que ça n'arrangeait pas les intérêts obscurs, tu vois. D'accord. Et puisque j'ai parlé de ça sur Facebook, en gros, on m'a viré. Tu as fait l'éloge d'Antonescu. Et pas vraiment l'éloge, non. J'ai juste cité des sources juives qui l'honoraient, qui l'hommagiaient. Ah, d'accord. D'accord, j'ai compris. Ça n'a pas convenu. Ok, ok. Pareil sur YouTube. Ça date depuis... D'accord. Mais voilà, donc je vais le dire encore et encore. On ne peut pas faire même parce que je pense que la plupart des gens qui m'écoutent ne connaissent pas M. Antonescu. L'idée, c'est que c'est un peu le Schindler roumain. Et puis tout à coup, on a considéré, parce que ça correspondait aux enjeux politiques de l'époque, que cet homme avait fait plus de mal que de bien au peuple juif. Tout voilà. D'un coup, quand ça, du jour au lendemain, voilà, il passe d'héros national à un criminel, c'est pas bizarre. Certains ont commencé à demander des réparations. Voilà. C'est, voilà, bon. Du coup, qui trouve des preuves contre, ouais. Il faut vite fermer sa bouche. Ouais, voilà. Donc, t'es condamné à parler de la proto-histoire, on va dire, sur YouTube, parce qu'apparemment, voilà. Quand c'est trop proche, c'est un sujet sensible, quoi. Ouais. Ouais. Alors, dans tes recherches, alors, finalement, quand je t'ai présenté, j'ai pas réussi à trouver le mot exact. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Est-ce qu'on peut dire que tu fais de l'étymologie? Est-ce qu'on peut dire que tu fais de la philologie? C'est quoi, finalement, ta discipline? Très bonne question. Ouais. En fait, l'histoire, jusqu'à présent, elle a eu tort de s'appeler histoire. Pourquoi? Cette science n'est pas comme le grammaire ou les maths, tu vois. On ne peut pas faire de l'histoire parce qu'il y a tout de suite le géologue, le climatologue, le géoclimatologue, pardon, qui vient, l'anthropologue, le physiologue, etc., linguiste, qui vient te contredire. Pourquoi? L'histoire enchiffre toutes ces disciplines. Si elles ne congruent pas dans le même sens, tu ne peux pas soutenir ton thèse. Jusqu'à nos jours, comment on faisait de l'histoire? On copiait d'un bouquin à l'autre. Donc, de cette manière, on perpétuait à l'infini les erreurs. D'ailleurs, il y a deux disciplines là. Ça s'appelle la calligraphie et la tachygraphie. On dit en roumain tachygraphie, donc tachygraphie. Ouais. C'était quoi? Les moines. Il n'avait rien d'autre à faire toute la journée que de écrire ces beaux bouquins-là, tu vois. Et eux, ils faisaient transcrire de l'un à l'autre, mais ils n'étaient pas en mesure de corriger s'il y avait une erreur. Du coup, il a perpétué. Il savait faire de la calligraphie, c'était beau, c'était orné, c'était fleuri, mais parfois, ça induisait en erreur.
Du coup, ces moines donc, ça, s'occupaient de ces deux... ils avaient ces deux préoccupations toute la journée. La calligraphie, la belle écriture, ça c'est l'art et la science de la belle écriture. Et la tachygraphie, l'art de l'écriture rapide. Par exemple, en cas de révolte dans une région, un moine écrivait tout de suite... c'était la tachygraphie, écrire vite un billet. Un style plus libre. Voilà, très, très rapide. L'idée, c'était que le message soit transmis d'un village à l'autre, d'un arrondissement à l'autre. Il y a une révolte là-bas, il y a le feu, ils ont mis le feu, incendié un château, je ne sais pas quoi. Et donc, c'était la tachygraphie, c'était l'art d'écrire rapidement, des dépêches. Et donc... en passant comme ça d'un manuscrit à l'autre, toutes ces erreurs-là, elles se sont perpétuées jusqu'à nos jours. Mais là, voilà, je te donne un exemple. Oui. En 1800, je ne sais plus combien, il y a Max Müller qui dit « Les Aryens vinrent du Tibet ». Oui. Mais il y a un problème là, parce que les Aryens, ils détenaient le succès de l'agriculture. Comment faire de l'agriculture à 4000 mètres d'altitude sur un sol qui est glacé 11 mois par an? Oui. Il y a plein de choses qui étaient du domaine de la supposition. Et lorsque la science a prouvé que c'était impossible, eh bien, un pan de l'histoire s'est effondré, en quelque sorte. Voilà, voilà, c'est ça. Donc, toutes ces idées-là de l'âge moyen perpétuées jusqu'à nos jours doivent disparaître. On doit réécrire l'histoire. Parce que là, comme je t'ai dit, il y a les autres disciplines qui contredisent en thèse. On a donné l'exemple des Aryens, mais il y a plein d'autres. Par exemple, l'histoire du déluge. Le déluge, il ne pouvait pas être planétaire. La Terre ne peut pas contenir autant d'eau. Il a été exagéré dans les récits de la Bible. Mais c'était bien exagéré, comme toute histoire, comme tout conte de fées. C'était plutôt comme un mythe, tu vois. Mmh. En plus, transmis par voie orale d'une génération à l'autre, on a bien accentué certains traits, certains pour impressionner les enfants, tu vois. Parce que la science, les géologues ont prouvé que le poteau, comme vous dites, le déluge, il a eu lieu. Donc, c'est la science qui a prouvé que le déluge a eu lieu dans la mer Noire quand la mer Méditerranée a cassé le Bosphore, le canal de Bosphore, en inondant ainsi la mer Noire. La mer Noire, avant, c'était un petit lac glaciaire autour duquel on pratiquait d'une manière intensive l'agriculture. Vu que ça a été inondé tout d'un coup, tous les villages autour sont restés intacts. Il y a même des vaisseaux avec des graines dedans, du miel, des trucs comme ça, qui t'imagines. Mais pour revenir à ça, c'est très intéressant. Si tu vas aujourd'hui dans le sud de la Roumanie ou en Bulgarie, j'ai entendu quelque chose du genre les pauvres en Bulgarie qui ne se permettaient pas du bois pour le feu, ils creusaient la terre pour sortir du bois. En fait, toutes ces alluvions du déluge qui avaient recouvert ces régions-là, tu t'imagines, ils sont montés jusqu'à l'arrondissement de Argeș en Roumanie, ils ont enterré vivantes des forêts, des vastes forêts. D'accord. Du coup, c'est pour ça qu'on trouve... Il y a du bois dans la terre, en fait. Voilà, ouais. c'est ça le secret. C'est intéressant. C'est depuis le déluge qui avait inondé cette région-là. Évidemment, le déluge qui après a été de voie en voie, de génération en génération, s'est transmis cette histoire. Ce serait quoi? C'est un immense raz-de-marée, en quelque sorte. Voilà. Ouais. Et tu me diras, mais comment ça se fait qu'on entend la même histoire dans plusieurs coins sur le globe? Ouais. Eh bien, parce qu'ils migrèrent. Oui, et ça. Ils ont raconté, ils ont amené le conte avec eux. Même simplement. Si là-bas, géographiquement parlant, ça ne peut pas se produire. Ça s'est produit dans l'endroit d'origine. D'accord. Ils sont juste partis avec l'histoire. C'est fascinant. Hein, ça. Oui, fascine. C'est vrai. Mais finalement, ça rationalise un événement que la spiritualité a... Sens, oui, voilà. Ouais. Ça s'explique. Comme tu vois, tout s'explique scientifiquement parlant. Il faut juste que la science penche dessus. En somme, ce que tu veux dire, c'est que lorsqu'on fait l'histoire sérieusement, on est obligé de s'inscrire dans une logique transdisciplinaire, en fait. On ne peut pas faire une seule chose. Il n'y a pas. Non, il n'y a pas de moyen. Sinon, tu ne peux pas apprendre la vérité. Tu risques de suivre un fil erroné. Oui. Il y a aussi ce risque qu'on a une théorie et puis 50 ans après, ça s'effondre parce qu'on découvre quelque chose de nouveau. C'est toujours un peu... Ça ne peut pas se passer si l'histoire est pluridisciplinaire. C'est ça le but. Oui, oui.
tu vois. Oui, c'est ça. Il faut recouper en fait tous les, voilà. Tous les domaines. Tu vois, on est, tout le monde connaît Lucy, le squelette retrouvé en Afrique. Oui. Il a juste 300 000 ans, son âge. Mm-hmm. Mais les scientifiques qui l'ont découvert là-bas en Afrique, ils l'ont déclaré la trouvaille unanime, reconnue, universelle, internationale, extraordinaire. Mm-hmm. 20 ans plus tôt, on avait découvert dans l'espace carpatique des hominidés qui avaient 2 millions d'années. Mmh. 2 millions d'années comparé à 300 000 ans, c'est rien, 300 000. Oui. Et ces squelettes-là d'hominidés, c'était tibia, fémur, donc c'était bien conservé. Et Dardo Nicolas Kuplopshor, qui les a découverts, son fils ou le père, je ne sais plus lequel c'est le fils, le père, bref, il gardait ça dans un peu de ouate, dans une cassette en argent. Et cet homme-là dont je t'ai parlé, qui a été en prison pendant le communisme pour un bouquin, pour des trucs de dingue, il m'a raconté cette histoire. Il a vu de ses propres yeux ces ossements-là. Mm-hmm. Et il a dit, il a même écrit un article en disant, c'est intéressant de voir et de savoir comment on écrit politiquement l'histoire. Et j'ai dit, pourquoi, monsieur le professeur, pourquoi vous dites ça? Eh bien, pourquoi? Parce que, tu vois, on avait les preuves anthropologiques, mm-hmm. On avait ces os-là, hominidés, datant depuis 2 millions d'années. Ouais. Et quand le chat, le chat est en train de faire une grosse bêtise. Et ils sont venus en Roumanie voir de leurs propres yeux ces hominidés-là. Ouais. Et en partant, ils ont dit, oui, vous avez raison. Oui, vous avez raison. Mais je ne peux pas retourner en France, dire que la civilisation provient d'un pays arriéré comme le vôtre. Nous, on était en 70, on était en plein essor communiste. Parce que je risque de perdre ma carrière. Ouais. Et je peux pas dire ça. C'est plus cool, plus chic d'imaginer une contrée lointaine en Tibet, en Afrique, je sais pas où. Oui. Quelque chose dont les gens n'ont aucune connaissance finalement. Voilà, voilà. Oui. Donc en fait, il y a de l'idéologie. L'idéologie entre en piste en fait pour dire voilà ce qu'on peut penser, ce qu'on peut pas penser. Voilà. Mais alors là, par contre, c'est vrai que je crois que c'est il y a à peu près 2 ans, un article scientifique officiel, pour le coup, c'était même pas des. Il n'y avait pas un angle nationaliste. A montré qu'il y avait des squelettes antérieurs à Lucy, effectivement en Europe de l'Est, pas seulement en Roumanie, mais dans toute l'Europe de l'Est. Donc de toute façon, maintenant, la théorie officielle, finalement, te rejoint ce que tu es en train de dire. Quoi. Oui, parce que déjà, moi, là, je parle d'un bouquin qui a été écrit il y a déjà quelques décennies, tu vois. Mmh. Mais même, il n'est toujours pas connu, même de nos jours, ce qui est, c'est inadmissible. Mmh. Et comme tu dis, toi, depuis, on a beaucoup avancé. Mais voilà, tu vois, c'est triste de voir quand même l'histoire s'écrit politiquement parlant. Oui. Mais là, l'information fait le tour du globe en un seul clic. Et du coup, ils ne peuvent plus le garder pour eux. Internet est un bien là-dessus. Est-ce que lors de tes recherches, tu as essayé de numériser des documents pour les mettre sur Internet, des choses que tu as pu trouver dans des bibliothèques ou ce genre de choses? Tu t'imagines pas la peine que je me donnais il y a longtemps. Quand je suis allée en Angleterre, il y avait le premier iPhone, il n'y avait pas toute cette technologie. Et j'avais trouvé là-bas le document de Robert Sheringham. Ça s'appelle « De Anglorum origine disceptatio ». Bref, c'est latin médiéval. Et il a 600 pages et j'ai photocopié quasiment la totalité. Il restait une centaine à photocopier. Mm-hmm. Quand ils m'ont rattrapé, ils m'ont dit « C'est interdit de dire ça ». Et j'ai dit « Pourquoi ?» Cet écrivain, comme Shakespeare, comme les autres, il devrait appartenir à l'humanité parce qu'il est mort il y a des siècles. Mmh. Et on a dit, malheureusement pour vous, non, parce que nous, on prend soin du bouquin, des champignons, tout ça, parce qu'il était très détérioré. Du coup, on a tous les droits dessus. Du coup, mais il ne savait pas maîtriser la technologie, c'était le premier iPhone, et il ne savait pas effacer toutes les photos, et il s'est mis à effacer l'une après l'autre, et il a eu ras-le-bol, et il a dit, bref, je m'en fous, partez, je ne veux plus vous voir. Il m'a laissé partir. Heureusement pour moi, j'avais déjà, à l'hôtel, j'avais déjà eu le temps de sauvegarder les premières photos qu'il m'avait effacées. Ouais. Du coup, dès que je suis arrivée en Roumanie, j'ai mis ça partout sur Facebook et partout. C'est choquant, ce Robert Sheringham, devine ce qu'il dit. Il dit, je ne sais pas, en 1680, il dit, je ne sais pas pourquoi on nous appelle goths de nos jours. Mm-hmm. Parce que nous, on est des jettes.
jetés. On est des jets venant de la mer Noire. Et nos parents inventèrent tous les alphabets connus aujourd'hui. Parce qu'il y a plusieurs écritures, oui, mm-hmm. types d'écriture. Tu sais, il y a eu autant d'alphabets, d'écritures, de calligraphie, etc. Et donc, ils étaient encore conscients. À cette époque-là, c'est encore tôt, en 1600, ils avaient encore la conscience d'appartenance vers l'Est de oui. l'Europe. En parlant d'Est, c'est pas du tout l'Est. En fait, en Roumanie, c'est exact la moitié. Déjà, c'est la parallèle de 45 qui passe par là. La moitié de quoi, en fait? De l'Europe jusqu'aux extrémités. Si on considère l'Europe géographique jusqu'à la montagne de Oural, la Roumanie, c'est fixe au milieu. Et de nous, de la Roumanie, milieu de la Roumanie jusqu'à l'Est, jusqu'aux extrémités du continent européen, les distances sont égales. Pourquoi on dit de l'Est? À cause de l'ex-bloc communiste. C'est vrai. Oui, mais c'est le pays le plus central de l'Europe. Elle est de l'Est juste politique. Elle était de l'Est juste politiquement parlant. Oui, finalement, c'est l'Europe centrale. On pourrait le mettre dans le cercle avec la Hongrie et la Pologne. Exactement, C'était juste une petite parenthèse. Non, mais c'est bien. Non, mais c'est vraiment passionnant. Je pense qu'il y a beaucoup de... N'hésitez pas à poser des questions à Christina. Elle n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais elle pourra vous amener vers certaines pistes. Quand je n'ai pas une réponse... Quand je considère la question intéressante, je vais vite chercher, du coup j'apprends et j'avance. Oui, donc, quoi qu'il arrive, moi ça me fait du bien, même les questions que je ne maîtrise pas. Mais finalement, alors là je pense que j'ai une question qui va probablement dépasser ton domaine de compétences, mais je le pose pour qu'on y réfléchisse ensemble. Même si nous sommes issus, on va dire, disons que nous sommes tous frères génétiquement, de l'Europe de l'Ouest à l'Europe de l'Est. Malgré tout, lorsque nous faisons un test génétique, nous pouvons, les laboratoires peuvent déterminer si moi je suis un Français ou un Italien, ou si toi tu viens plutôt des Balkans ou de la Roumanie. C'est donc bien que génétiquement, il y a quand même une singularité. Tu vois ce que je veux dire? On est tous des blancs, d'accord, mais après il y a des, entre guillemets, des sous-groupes. Tu n'invalides pas cette théorie, tu es quand même d'accord là-dessus? Non. Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pourquoi? Parce que c'est la géopolitique qui entre en jeu là. Je donne juste un exemple. La France, elle a eu beaucoup d'influence venant de l'océan, du sud, etc. Oui. La Roumanie a été toujours vandalisée par les Mongols, par ceux qui venaient de l'Est, là, venaient vers l'Europe. Donc, chaque pays européen a eu une autre histoire, une autre géopolitique. C'est là où ça fait une différence. Mais si tu descends dans le temps, mes ancêtres et tes ancêtres, il n'y avait pas de différence. D'accord. Donc, la différence s'est produite au fur et à mesure à cause des influences externes. D'accord. Ah oui, c'est quand même une théorie, c'est assez original. En fait, moi, ce que je te disais plus simplement, c'est que j'ai bien conscience d'être plus proche d'un Suédois que d'un Chinois ou d'un Africain. Cependant, il y a une différence phénotypique d'apparence entre moi et un Suédois. Je veux dire, on n'est quand même pas les mêmes personnes. Ah oui? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'était quel pays-là? Donc, un pays asiatique. Oui. Ils avaient encore la conscience dans leurs documents qu'ils venaient de l'Ouest. Ça veut dire qu'ils disaient qu'ils venaient de vers l'Europe. Et qu'ils avaient migré vers... Mais au fur et à mesure, donc le relief, l'alimentation, le climat, tout ça influence la physionomie, surtout qu'à l'époque, de nos jours, tout le monde survit. C'est la médecine qui entre en jeu. Mais à l'époque, c'était la sélection naturelle, c'était les plus forts qui résistaient. Et si tu as des traits bien contourés, ceux-là, ils vont se perpétuer. D'accord. Mais ça ne veut pas dire que y a pareil, que dans le passé, il y avait... Et ce n'est à nouveau pas moi qui le dis, ce sont eux qui ont la conscience d'avoir des ancêtres à l'ouest, vers l'Europe. Mais attends, quand tu dis la conscience, c'est que... Dans leurs mythes, leurs chansons, leur histoire, leur légende, ils ont toujours une conscience. Tu vois encore une chose. Tous les peuples ont une histoire, une conscience, la conscience d'une origine, d'un berceau ailleurs. Ils viennent tous de quelque part. Nous, en Roumanie, on n'a pas
On est le seul... Quand je dis en Roumanie, on parle à nouveau, j'ai eu tort. On parle pas la Roumanie là. On parle de l'Europe centrale, ici, de l'arc carpathique et péricarpathique. Mm-hmm. Parce que je t'ai dit, ce peuple-là, il y a des frontières qu'on a mis autour des Carpates. Mais avant, il n'y avait pas les gens. Ils se déplaçaient, en fonction de leur bétail. Eh bien, dans cette partie de l'Europe, il n'y a pas une conscience d'arriver d'ailleurs. Mm-hmm. Et ça, ce n'est pas moi qui le dis. À nouveau, c'est Maria Gimbutas, archéologue et anthropologue de UCLA, Université California, Los Angeles, qui a été envoyée en Roumanie. Bon, elle a été envoyée en Europe pour étudier la préhistoire. Mm-hmm. Et en arrivant en Roumanie, elle passe ici, je ne sais plus, une décennie, je ne sais plus combien. Ça, c'est des informations. J'ai lu ça il y a 10 ans. J'ai retenu l'essentiel. Elle note telle qu'elle. Elle dit, on ne sait pas pour quelle raison, vers 5000 avant notre ère, l'Europe est une carte blanche. L'Europe est une tache blanche sur la carte. Sauf dans l'espace carpathique et péricarpathique, où on a trouvé dans le sous-sol, pendant nos recherches, des milliers et milliers de statuettes mortuaires. Quand on enterrait les morts, on les embellissait, on mettait des statuettes comme ça, qui les fassent transporter dans le monde d'ailleurs, qui prennent soin d'eux et tout ça, bref. Et donc, elle dit que à partir d'une période, on ne trouve plus d'artefacts ailleurs en Europe datant de si loin dans le passé. Elle ne s'explique pas pourquoi. Mais après, je t'ai dit, il y a le géoclimatologue qui vient et qui explique. Berlin, il a été recouvert de glace jusqu'à très peu. Et même il y a quelques siècles, il y a eu des hivers si rudes. C'est connu dans l'histoire. Oui, cette partie-là de l'Europe, la France, jusqu'à la moitié, elle a été recouverte de calottes glaciaires. Quand tu dis que l'Europe était une carte blanche, c'est qu'il y a un moment donné de l'histoire humaine où les seules activités étaient concentrées autour de la région des Carpates. Et en tout cas, pour l'instant, la science n'a pas retrouvé de traces de vie et d'histoire, de culture ailleurs. Oui, et on ne sait pas pourquoi ici. Bon, il ne faut pas oublier que l'Angleterre était plus proche du continent. Mm-hmm. Je ne sais plus quand elle s'est détachée. Et tu t'imagines combien de temps ça a pris. Les hominidés, là, on parle des hominidés. Il y a des millions d'années, ils parcouraient déjà de longues distances que pour copuler. Mm-hmm. Mais ils ne pouvaient pas s'éloigner trop. Parce que ils avaient, la science le prouve, ils avaient besoin, ça c'est normal, comme tout mammifère, d'une source d'eau fraîche et de sel. D'accord. Quand j'étais petite, j'allais à la campagne chez mon arrière-grand-mère et les vaches, les moutons, les chèvres, quand ils rentraient le soir, ils léchaient le bol de sel. Mm-hmm. T'as remarqué ça à la campagne? Non, t'as pas vécu. T'as pas connu ça. Eh bien, ceux qui vivent dans les zones rurales, agricoles, ils savent que le bétail a besoin de lécher le sel. C'est comme ça, comme un rocher de sel cristal. C'est un cristal de sel, d'accord, comme il se trouve dans la nature. D'accord. Et le bétail le lèche le soir, surtout les herbivores, je parle, les mammifères. Et pourquoi? Pourquoi je parle de ça? Parce que Maria Gimbutas, l'archéologue, l'anthropologue de UCLA, Californie, à Los Angeles, l'université de Los Angeles, elle disait on ne s'explique pas pourquoi. Mais si on s'explique ultérieurement, on s'est expliqué ça à cette époque-là. En fait, je ne dis plus la Roumanie parce que je ne veux pas qu'on s'imagine. Ouais. Donc là, on parle de Carpates. Il n'y avait pas de Roumains en Roumanie là-bas à cette époque-là. Dans les Carpates, il y a 3 massifs de sel à la surface. Avant qu'il y ait une exposition à Olten, en Suisse, je ne sais plus, d'ailleurs Olten, comme le fleuve de Olt de Roumanie. Ouais. Olten, tu t'imagines pas combien de villes en Europe, en France, Suisse, Belgique, qui viennent de Olten. N'oublie pas, qu'est-ce qu'ils ont dit vos scolaires, les Français qui remontèrent le Danube en partant de la Olténie. Et ils sont partis avec, ça leur manquait, leur maison, leur famille, tout ce qu'ils ont laissé sur place. Et ceux qui provenaient de la Olténie, porte le nom du fleuve de Olt qui traverse la Olténie. Du coup, quand ils sont arrivés sur place, en rendant hommage à leur maison, ils ont dénommé le fleuve ou la ville ou la région Olt, Olten. En France, il y a une sacrée liste comme ça avec le pays de Olt, le Lot. Parce que le Olt avec l'article,
elle. L'article a rendu difficile de dire le Lot. Du coup, on l'a transformé, on l'a inversé, on a dit Lot. Bon, comme le Lot et Garonne. C'est... Voilà, ouais. C'est, ça vient de Holt. Ça, c'est des Holteignes, des Français venus de Roumanie. Le Lot. Aussi, alors, je ne sais pas si ça a rapport direct à ce que tu dis actuellement, mais tu me disais qu'à une époque, on appelait l'Occitanie la petite Roumanie. Voilà. Alors, je voudrais bien savoir pourquoi. Documents. Voilà, il y a des documents où c'est marqué dessus. Parce que les habitants venaient de ce coin-là, d'accord, de l'est de l'Europe. D'accord, de l'Europe centrale. En tout cas, ce qui va dans le sens de ce que tu dis sur l'idée que nous venons tous d'une même source, c'est que les tests génétiques montrent que le point commun de la plupart des Européens, qu'ils soient du nord ou du sud, c'est qu'ils ont une part de génétique des hommes de Néandertal, à la différence de la plupart des autres types humains. Il y a très peu de Néandertal chez les Arabes et quasiment pas chez les Noirs. Donc, est-ce que tu es d'accord avec ça et est-ce que ça va dans le sens de ce que tu dis? C'est très... les thèses là-dessus se sont... quand ils se réunissent, quand ils se contredisent... Je ne sais pas quoi dire de cet homme de Néandertal. Là, je parle déjà de... parlons de Homo occidentalis. D'accord. Parce que c'est trop loin, tu veux dire, en arrière. Non. Mes hominidés de 2 millions d'années sont encore plus loin. D'accord. Mais même la science ne s'est pas encore vraiment prononcée là-dessus. Mm-hmm. Et pour revenir à nos hominidés, ils pouvaient, comme je disais, en parlant du sel, ils ne pouvaient pas quitter les lieux parce qu'ici, il y avait 3 massifs de sel à la surface. Mm-hmm. Plus tard, on a inventé des outils pour extraire le sel. Là, on le fait extraire même de l'eau marine, de l'océan. Il y a toutes sortes de technologies. Mais à l'époque, il fallait que il fallait de l'eau une source d'eau fraîche et du sel à la surface pour son bétail, pour ses mammifères. Ensuite, il fallait pouvoir faire, là on monte encore plus dans l'histoire, il fallait pouvoir faire de l'agriculture. Et comment il s'appelle? C'est un Écossais. Voilà, ça c'est une information, j'aurais dû me la noter. Ouais. C'est pas grave, on peut le rajouter ensuite le nom. Oui, je pense qu'on va faire une notice, quelque chose. Ouais. Donc, cet Écossais-là, il est venu pour étudier dans l'espace carpathique et péricarpathique cette histoire des outils d'agriculture les plus anciens en Europe et pas seulement. Et il a eu 2 grandes conclusions qui sont énormes. Il a dit que l'agriculture fut inventée dans l'espace carpathique et péricarpathique et que la roue comme instrument est une création de cette partie de l'Europe. Pourquoi? Parce que le cheval, le mouton et le chien les ossements montrent qu'ils ont été domestiqués d'abord ici et ramenés plus tard avec ceux qui ont migré. Ils ont été amenés plus tard dans d'autres régions. Donc ça, ce sont des institutions venant de l'Occident qui se sont déplacées ici sur place, qui ont étudié ça, ils ont tiré ça comme conclusion. D'accord. Mais toi, en fait, finalement, cette question, je voulais te la poser au début, puis j'ai oublié. Comment en es-tu arrivé à ces sujets de manière autodidacte? Quel est ton parcours, en fait? Comment t'as commencé? Comment on se dit, tiens, je vais me plonger dans les bouquins d'histoire? Ouais. C'est depuis la famille. On avait des milliers de bouquins à tel point qu'on avait peur que les tâches s'enfoncent. Ouais. ça vient de mon grand-père, le père de ma mère. Ma mère, les frères à ma mère. Bref, pour raccourcir, j'étais en France et le frère à ma mère m'appelle et il dit comme ça, « Christina, puisque tu es en France, tu ne pourrais pas procurer ces documents-là à la bibliothèque. » Voilà, il y a un savant qui étudie ces bouquins-là et il n'a pas les moyens. Il faut que tu saches que les enseignants chez nous, les scientifiques chez nous, ils ne sont pas du tout soutenus par l'État et ils ont des retraites des morts de rire, de savoir combien ils gagnent après une vie d'études et tout ça. Et tu ne pourrais pas l'aider à lui procurer ces documents-là parce qu'il doit finaliser ces bouquins. D'accord. D'ailleurs, là, c'est mon nom dessus pour les documents que j'ai amenés, que j'ai traduits pour lui, que j'ai fait étudier. En amenant bien sûr ces documents-là depuis la France et l'Angleterre en Roumanie pour ce savant, ce rechercheur, bien sûr, je n'ai pas pu ne pas le parcourir.
Et j'ai été choquée. J'ai dit, comment j'ai pu vivre jusqu'à cet âge et ne pas savoir tout ça? Ouais. J'ai dit, il faut que... Et bien sûr, il y avait la bibliographie. Et moi, j'ai ensuite poursuivi la bibliographie et tout ça, ainsi de suite. Et ensuite, je n'ai pas pu lâcher. Tu ne peux pas. Une fois que tu te lances là-dedans... On voit que tu es passionné. Hein. Tu ne peux plus lâcher. Tu peux plus. Mais pourquoi ça ne peut pas créer une économie de vie? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de faculté, d'université qui travaille ce genre de sujet. Il n'y a pas de financement d'État pour ça, j'imagine, pour ce genre de recherche. Non. Et déjà, pourquoi ils feraient ce genre de recherche qui contredit tout ce que c'est marqué dans les manuels? Ça veut dire qu'il faudrait que quelqu'un vienne dire, avouer, oui, je n'ai rien fait pendant des décennies dans mon bureau. Il faut que j'avoue, il y a quelqu'un, un passionné, qui vient maintenant démolir toute ma carrière. Toute ma vie. Personne ne va jamais avouer que, voilà. Je comprends, ouais. Ça va être peut-être le boulot d'une génération future. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas dit l'essentiel, c'est que tu es une personne individuelle qui a fait des vidéos sur YouTube, mais tu as également une association. En fait. Oui, c'est du volontariat. D'accord. J'ai rien gagné avec et j'ai beaucoup investi dedans. Ça m'a coûté 100 euros que le dictionnaire sanskrit français. Pourquoi? Parce que dans ce dictionnaire sanskrit, il y avait autant de mots roumains. Ah oui. Mais comme il n'y avait pas de dictionnaire sanskrit roumain, j'ai dû prendre le sanskrit français. Et bien sûr, ça c'est encore une autre hypothèse, encore un autre épisode. Pourquoi autant de mots roumains là-bas? Oui. En fait, non, voilà, j'ai eu tort à nouveau. Il ne s'agit pas de roumain là. Oublions la Roumanie, oublions le roumain. Cette langue indo-irano-européenne parlait un langage qui, on le considère perdu de notre jour, mais ceux qui parlent le roumain pourraient bien le deviner facilement, le comprendre, parce que c'est très proche. D'accord. Et il y a beaucoup de similitudes linguistiques entre les deux. Du coup, voilà, c'est plus facile d'avoir un dictionnaire sanskrit. Toutefois, sans remonter aussi loin, on peut dire quand même que même si toutes les... Par exemple, moi j'avais commencé à apprendre le russe, même dans le russe, tu as des mots français, portefeuille c'est portefeuille, il y a plein de choses comme ça. Ouais. Des mots aussi qu'on trouve aussi en Roumanie, bon d'accord. Ouais. Mais il y a quand même une proximité de langage particulière, je trouve, entre trois langues, le français, l'italien, le roumain. Ouais. Et voilà où est la Roumanie sur la carte, oui, tu vas dire. Oui, mais alors, on va dire, les gens qui nous écoutent vont, et qui n'ont pas de connaissances comme toi vont dire simplement, c'est les Romains. Parce que les Romains ont envahi cette partie-là du globe, et les Roumains ont conservé la langue romaine qu'ils ont modifiée, qu'ils ont slavisée un peu. Ben voilà, justement, c'est la question que je te pose. Oui, mais non. Parce que ceux qui étudient, qui approfondissent, vont constater que les Romains n'ont jamais atteint plus de 1 sur 7 du territoire de la Dacie. Il faut que tu saches, et ça va te choquer, je suppose, la Dacie avait comme frontière de l'ouest la frontière actuelle entre la France et l'Allemagne, à un moment donné. Ah oui, toi, oui, un empire, carrément. C'est très grand, quoi. Ces tribus, à l'époque, il faut se téléporter à cette époque-là. Tu vois, il n'y avait pas, comme de nos jours, je répète, il n'y avait pas les frontières, il n'y avait pas... C'était des tribus qui se battaient souvent entre eux parce que la faim, parce qu'une femme, parce que... Tu vois, il faut se téléporter dans cette époque-là. Et donc, pour revenir aux Romains, déjà, ils ne sont jamais venus avec l'histoire de... conquête, de vouloir rester ici. Là, on parle de la plus grosse chute économique depuis l'histoire. Ils avaient beaucoup besoin d'or. Et ici, il y avait l'or extrait déjà par les Daces. Et ils venaient, en fait, les Romains, c'était que des mercenaires. Et ils ne parlaient même pas une langue latine, quel latin, parce que 9 sur 10 n'étaient pas latins. Il y avait toutes les nationalités, ils venaient de partout. C'est pour ça qu'on a inventé cet idiome, le latin administratif. Pour pouvoir s'adresser aux masses, il y avait un qui venait, qui traduisait, parce qu'il y avait dedans même des Daces. On a retrouvé des soldats des soldats romains qui étaient originaires de Dacie, de la Roumanie, des Carpates. Donc, ils venaient de partout, ces mercenaires-là. Et quand ils sont venus en Roumanie, on a l'impression qu'ils ont envahi comme ça la Roumanie. Mais tu t'imagines, il y avait quelques soldats. Combien? Ils ne venaient pas en TGV ni en avion.
Ouais. Ils venaient à cheval. Combien ils mouraient par les blessures. D'autres griffés par un ours. D'autres, un autre tombé de cheval. Un autre, ils se noyaient. Un autre... T'imagines combien pour parcourir ces distances. Mm-hmm. Ils venaient ici pour voler. Ils violaient quelques femmes. Ils tuaient quelques villageois. Parce que quand t'es sur place, t'es tranquille, t'es pas armé. Il y a un autre, un soldat. Il arrive, il te fait décapiter. Voilà. Il a volé ton pain ou je sais pas quoi. Donc, ils venaient pour voler. Pour voler des graines, de l'or, des richesses. Provincie romane, Tracie, Dacie, c'était juste sur les cartes. Elles n'ont jamais existé proprement dit. Sur place, c'était toujours les mêmes habitants. Alors explique-moi voir comment ils auraient pu se lâcher tout d'un coup, laisser tomber leur langue. Ouais. Il n'y avait pas les mass médias, il n'y avait pas la scolarisation. Et comme ça, on laisse tomber sa langue natale pour apprendre tout d'un coup la langue, surtout la langue de celui qui vient te faire mal. Toi, ouais. Tu apprendrais la langue de celui qui vient violer ta femme, tuer tes fils, voler tes biens. Tu n'as pas forcément le choix. Non, s'il te domine, tu n'as pas forcément le choix non, d'apprendre sa langue. Ben, je veux dire, s'il est sur place, tu vois, il s'installe, il te domine, tu vas apprendre sa langue parce que... Comment s'installer ? Tu penses que comme chez vous en France, pendant longtemps, on n'a pas accepté une occupation, on n'a pas voulu... Donc... C'est vrai qu'on n'a pas encore tous appris l'arabe en France. D'ailleurs, j'avais... Ça te donne plutôt raison, ça. Je voulais écrire un l'INRAP, ouais. L'Institut National de Recherche Archéologique de Paris, chez vous, parce que j'ai vu quelques-uns de leurs documentaires et ils disent vraiment n'importe quoi. Sur quel sujet ? Surtout sur le sujet des Romains et des Français, des Gaulois, des Celtes, ou comment veux-tu les appeler. Exact comme en Dacie. Tes ancêtres n'ont jamais, jamais abandonné leur langue pour romaniser la leur. Ça, c'est la plus grosse... Donc, la plus grosse connerie de l'histoire et de la linguistique, c'est la latinisation des langues. Comment on peut latiniser un peuple déjà à 2500 km distance comme la Roumanie, quand même tes propres mercenaires ne parlent pas cette langue parce qu'ils sont toutes les nationalités de la Terre et ils n'ont jamais mené une politique de latinisation des peuples qu'ils affrontaient. Non, c'était juste une histoire de vol, viol et pillage. Ils venaient, prenaient, partaient avec leur proie. Personne ne voulait rester sur place pour apprendre, donner des leçons de linguistique. Ouais. Chacun voulait rentrer voir sa femme, son fils, son... Ça n'a pas de sens pour moi, cette latinisation des Mais peuples. Mais que conclure de cela ? C'est que finalement, la langue roumaine était déjà celle-là, avant les Roumains, avant l'arrivée des Romains. Mais bien sûr, mais voilà. Quand ils furent arrivés, y a cette histoire de... Bon, il y a une légende avec un pont qui s'écroule et le Roumain dit « Retourne mon frère, tu vas t'écrouler avec le pont. » Oui. Et le Romain, il a compris et il n'a pas traversé le pont qui était inondé. D'accord. Ce qui veut dire qu'à cette époque-là, les dialectes... Se connaissaient déjà. C'était pas qu'on le connaissait, mais c'était intelligible entre eux. S'il y avait une porosité, en fait, dans les sonorités... Voilà, c'était... Oui. Et ceux qui se croisaient, ils pouvaient déduire ce que l'autre disait. Il n'y avait pas encore cette délimitation entre les langues. Oui. Des peuples européens, plus tu avances dans le temps, plus ça se délimite. Et plus tu descends, plus les langues sont proches. Pourquoi ? Les gens n'étaient pas nombreux avant Daniel. Oui, la natalité était bien. Tu t'imagines, on faisait beaucoup d'enfants. C'est pas qu'on a maintenant, on a un enfant ou deux, si on a, ouais. Par couple. Mais à l'époque, même mon grand-père a eu 6-7 frères. Tu t'imagines ? Et... Bref, t'as compris l'idée. Donc, oui. C'était une autre époque. Il faut se téléporter à cette époque-là. Il faut pas. Tu sais quel est leur défaut des gens qui de nos jours qui essayent de comprendre l'histoire. Ils s'imaginent peut-être. Ils n'arrivent pas à se transporter dans ce temps-là. Déjà, on parcourait les distances. Ah, pour parcourir les distances, j'ai lu un truc de dingue. Donc, il y avait des arbres. Des arbres, 5 personnes ne pouvaient pas l'entourer.
Oui. Comment couper cet arbre-là avec une hache et croiser la forêt avec des routes? Comment transporter les chars? Comment transporter une armée, des soldats et tout ça? Comment, tu t'imagines, toute l'Europe était recouverte de forêts, arbres, énorme. De forêts pareilles. Un arbre que 5 personnes ne peuvent pas contenir, c'est, ça prend quelques jours l'abattre. Ouais. Donc, il faut voir les choses comme à cette époque-là. C'était pas... Il faut se... Ouais. Là, dans une processus d'empathie, on pourrait dire, ouais. En sens strict, pour voir comment on pouvait vivre il y a 2000 ans, 3000 ans, 4000 ans, voilà. Pour voir si ça, les choses tiennent debout. Quoi. Voilà. Alors, ta fondation s'appelle Pelasgos, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que ça signifie, quoi? Les pelages. D'accord. Furent les premiers habitants de l'Europe. Les pelages, d'accord, les ouais. Pelages. Et bien sûr, ils vinrent de la mer Noire. Oui, oui, oui. On mettra un lien. Ils se répandirent en Europe. Parce que ton YouTube a été censuré, mais pas ton site internet. On peut toujours accéder à ton site internet. Sur Facebook, il y a la fondation Pelasgos. Sur YouTube et Dailymotion. Sur Dailymotion, j'existe toujours. Mais je vais remettre quand même mes vidéos sur YouTube hein. Parce que oui, j'avais un bon feedback depuis la France avec mes vidéos françaises. Et il y avait même des Français qui me demandaient pourquoi je ne fais plus d'autres depuis. Oui, oui, oui. Oui, parce que certaines vidéos de Christina sont en roumain et d'autres sont en français. Bon, moi, c'est celles qui sont en français, bien sûr, que j'ai regardées. Et ceux qui sont en roumain, je vais les sous-titrer. Ah, ça va être un long travail. C'est intéressant. Ouais. Est-ce que tu as besoin, est-ce que dans ton équipe, est-ce que tu as besoin de chercheurs? J'ai besoin surtout de... Argent. Passionné. Oui, j'aimerais bien quelqu'un qui m'aide. Tu vois, c'est très cher les documents, les oui. Traductions. C'est pour ça, la plupart des traductions, je fais moi-même. Mais quand tu achètes un bouquin, un dictionnaire avec 100 euros... Bref, je t'ai dit, j'ai surtout investi dans cette fondation. Je n'ai rien encaissé. Mm-hmm. Je tiens deux meetings. J'ai eu des invités. Tout ça, c'est sur mon propre compte. Éventuellement, mais, des gens qui pourraient t'envoyer des livres dans tes sujets, quoi. J'ai surtout besoin d'aide sur les montages vidéo, ça m'aiderait beaucoup. D'accord, intéressant. Moi, je pense qu'on mettra une adresse mail de contact afin que voilà, un chevalier puisse, d'une aide puisse t'aider. Ouais. Ouais. Ouais, un frère de l'Europe occidentale. Exactement. Ouais. Bon, on va revenir sur les sujets de culture peut-être à la fin de l'émission. Je voudrais quand même revenir un peu dans le présent. Tu t'appelles Christina Sayar. Ton prénom, Christina, sans H. Sans H, oui. Oui, c'est comme ça en Roumanie. Ton prénom donc, est roumain, ton nom de famille français. Qu'est-ce qui t'a fait rencontrer la France et un Français? Parce que tu es mariée à un homme français. C'est rigolo, c'est surtout vu que je suis nationaliste, on m'a toujours reproché ça. Oui. On m'a dit toujours, tu donnes des leçons de nationalisme. Bienvenue au club. Moi, mixé. C'est pareil. Mais voilà, l'amour fait dicter. Exactement, oui. Ben, ouais, cela dit, j'ai perdu la tête pour un French. Exactement, mais ce n'est pas contradictoire avec tes idées. Puisque parce qu'il est mon frère. Ben moi, oui. De l'Est, lui de l'Ouest, là, on réunit Mama Europa. Exactement, ouais, ouais. Donc, oui. J'ai fait le guide touristique pour ces Français égarés en Roumanie. Déjà, ouais. L'un d'entre eux, il était convaincu qu'il est à Budapest, non pas à Bucarest. Ça, c'est toujours, tu sais, c'est connu, ça, Bucarest, Budapest. Même le deuxième, oui. Troisième jour, il croit être toujours à Budapest. Il y a une petite anecdote, Michael Jackson, c'était trop. Il a fait un concert monumental ici. Il a dit oh, on est très heureux, je suis très content d'être à Budapest. Vous imaginez la gueule des Roumains. C'est clair. Donc, oui, voilà. Tu étais guide touristique et tu as rencontré ton compagnon. Oui, et depuis, il est revenu tous les week-ends jusqu'à ce qu'il me dise d'aller le joindre sur place en France. D'accord. Et moi, j'ai détesté cette idée. Je ne pouvais pas imaginer de quitter mon pays qui a dans ma tête autant besoin de moi. Oui. Mais j'ai profité de l'occasion. J'ai bossé quelques temps là-bas et comme j'ai une collection de diplômes et certificats, j'ai obtenu quelques-uns là-bas aussi. D'accord. Donc, tu allais vivre avec ton compagnon là-bas 5 ans. 5 ans. À Paris, oui. Ouais, ouais. Jusqu'à ce qu'on commence à voir comment ça se passe. Lui, il est venu plusieurs fois avec moi en Roumanie et il a dit, en fait, c'est mieux chez toi, quoi. Oui, en fait, la Roumanie, c'est comme notre France il y a quelques décennies. Allons vivre là-bas. D'accord. Et donc Je plains ça. Je plains les Français, je pleure pour eux. « Hey, qu'est-ce qui vous arrive? Réveillez-vous, révoltez-vous, faites quelque chose. » J'ai pleuré pour votre cathédrale.
je pleure pour vos temples détruits. 2000 constructions qui datent d'antan pour construire à la place des mosquées ou parkings ou carrefours, je ne sais pas quelle marque. Oui, en France, il y a, bon, vous le savez, mais je le répète, il y a des églises qui sont détruites parce qu'il n'y a plus assez de fidèles, il n'y a plus assez d'argent. Donc voilà, faute d'argent pour rénover, on détruit. Ou bien, depuis 6 mois, c'est la mode des incendies. Alors, soi-disant involontaires, on ne sait pas pourquoi. Involontaires. En 6 mois, il y a eu je ne sais pas combien d'églises qui ont brûlé. Sachant que même de nos jours, on ne sait pas comment ils ont été construits. Il y a des choses qu'on n'a pas encore déchiffrées dans leur architecture. Donc, moi, je pleure avec mon âme. Ouais, en fait, vous êtes parti parce que vous avez des enfants. Vous êtes parti après la naissance des enfants. Avant, ça a été un choix. Les enfants sont nés en Roumanie. D'accord. Ici, c'est un pays tranquille. Oui. Et on a voulu du calme et la paix, tranquillité de la Roumanie. Ouais. C'est triste de dire ça. Mais toi, tu peux faire le comparatif parce que tu as connu la Roumanie, puis la France, puis à nouveau la Roumanie. Est-ce que tu as, pour l'avenir de la Roumanie, tu as plutôt de l'espoir ou tu penses que le chemin qu'a suivi la France, la Roumanie pourrait le suivre? Est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que les gens vont dire stop? Est-ce que les Français vont accepter? Est-ce que les Roumains vont l'accepter? C'est ça ce qui me choque. On a toujours suivi l'exemple occidental, surtout l'exemple français, que ça soit au niveau de l'école, de la mass media, de la je sais pas quoi, pourquoi, surtout culturel. Pourquoi on n'apprend pas aussi des erreurs de la France? Pourquoi on doit les répéter? Ouais. Et là, ça me renforce toujours l'idée que la Roumanie n'est pas conduite par des Roumains. Tu sais que j'ai les preuves, j'ai la liste des noms. Ils sont tous les descendants des bolcheviks venus, la plupart de la Russie. Ouais. Ils ont des noms roumanophones de nos jours, mais une génération plus tôt, il n'y a pas de nom roumain. C'est juste pour qu'aux élections, on nous fasse savoir. On n'en dira pas plus sur YouTube, vu les nouvelles conditions d'utilisation, mais vous savez qu'il y a un certain peuple qui, parfois, peut prendre les noms d'un certain pays. Voilà. C'est exactement la même chose. Parfois, vous avez un Michel Dupont qui n'est pas un Michel Dupont. Pareil en Allemagne. Oui. C'est triste, c'est choquant. Mais voilà. En fait, ce que tu dis, là, pour le coup, c'est un secret de Polichinelle, c'est que, évidemment, Ceausescu a été exécuté, on le sait, d'ailleurs, dans une espèce de parodie de procès, mais ses sous-fifres, les gens qui dirigeaient avec lui la Roumanie communiste, ont continué d'avoir le pouvoir, sauf qu'après, ça s'est appelé démocratie. Ils ont changé de veste, de nom. Ils sont démocrates, en fait. Ouais. Et leurs enfants continuent d'être dans les mannes du pouvoir, en fait. Voilà, voilà. Je peux juste. Est-ce que. J'ai peur, oui, est-ce que pour changer de sujet, parce que là, on est sur une piste dangereuse. Ouais. Est-ce que je peux dire à tes spectateurs quelque chose sur Hérodote? J'ai juste une question. Pourquoi on l'appelle-t-il le père de l'histoire, Hérodote? Hérodote, donc tu disais, oui. Oui, je veux prouver là, pour conclure, après tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, pourquoi l'histoire doit être réécrite et pourquoi le Hérodote n'est pas père de l'histoire. Oui. Cicero, déjà, il le considère... Cicéron. Cicéron. Non, mais c'est pour vraiment être sûr qu'on parle du même. Oui, ouais. On parle du même, mais son vrai nom, vous avez l'habitude de tout franciser. Oui, oui. Son vrai nom, c'est Cicero. Cicero. Mais on va dire Cicéron. Bon, lui, il dit que Hérodote, c'est un mythographe. Ou de mauvaise foi. D'accord. Donc, il a que il est comme ça. Il est connu dans l'histoire comme soit de mauvaise foi, soit de... Pourquoi? Comment il dit, par exemple, Hérodote, qu'elle fut construite la pyramide de Khéops, tu sais? Oui. Il dit, déjà pour Hérodote, les Alpes et les Carpates sont deux fleuves, pas de chaîne montagneuse, qui se renverse dans le Danube. Donc déjà, ça, ce n'est plus de l'histoire, mais un conte de fées. Ouais. Alors, il ne peut pas être une source historique. Il est dans les lunettes, apparemment, Hérodote. Oui. Et donc, quand tu dis que les Alpes et les Carpates, à l'époque, on disait Carpes, les Alpes et les Carpates sont deux fleuves qui se renversent dans l'Istre, qui était le Danube, et que le Danube... Il a comme source la ville de Pyrénées, qui est une chaîne montagneuse, ainsi de suite. Donc, il fait que des gaffes comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est une mauvaise lecture. C'est sympa, c'est rigolo, Hérodote.
mais comme conte de fées, si tu veux, et non pas comme une source, comme historique. C'est pas comme Strabo ou un autre, comme un journaliste ou comme un, tu vois. Alors, il peut pas être le père de l'histoire, et je veux plus le voir dans les manuels comme source historique. Étant donné qu'il dit que Khéops, la pyramide de Khéops fut construite, comme je t'ai dit, il a prostitué sa fille et il a imposé à sa fille de ne pas se faire payer en argent et richesses et bijoux. Il a dit, tu accepteras de chacun de tes clients un gros rocher. Et voilà, rocher après, sur rocher, elle fut construite, cette pyramide de Khéops, qui est un délire. C'est pas sérieux. Ouais. C'est pas sérieux. Donc, ça veut dire qu'en fait, à chaque bob correspond un homme avec qui elle aurait couché. Voilà, la fille, pauvre. Donc voilà, il ne peut pas être le père de l'histoire, mais juste une lecture sympa, si tu veux. Et donc, voilà, c'est ça le motto de ma fondation, 5 sources pro, 5 sources contre, plusieurs disciplines, l'anthropologie, archéologie, linguistique, climatologie, tout ça aille dans la même direction, sinon le thèse ne peut pas être soutenu ou il doit être révisé. En quoi, en fait, tes recherches sur le passé de notre continent te sont utiles par rapport aux problématiques d'aujourd'hui, c'est-à-dire le... J'ai tout compris. En fait, tu comprends mieux ce qui se passe aujourd'hui. En fait, pour comprendre le présent, il faut mieux connaître le passé. Oui. Et quand tu connais le passé et tu comprends mieux le présent, tu peux mieux voir le futur. Oui. Mais en voyant ce qui se passe en France actuellement, je pleure pour le futur. Ouais. Je ne sais pas ce qu'on va devenir à l'ouest. J'espère que les Français s'enfuissent tous alors en Roumanie, qu'ils viennent ici sauver leur peau. Attends, on pense à la rigolade, mais beaucoup de gens qui nous écoutent sont pas certains de leur futur et envisagent l'expatriation comme possible. Comment c'est vu par les Roumains que des Occidentaux viennent ici s'installer pour travailler ou pour trouver une femme, que ce soit des Allemands, des Anglais, des Français? C'est bien vu, c'est mal vu? Les Roumains sont très très accueillants. Trop, je dirais. Oui. Je pense que cette fermeture les a rendus dingues de tout ce qui vient de l'extérieur. Oui. Et pour que tu saches, ici, si tu as juste un peu d'autre champ de couleur de peau, tu es vedette à la télévision. Tu ne dois rien savoir, tu peux être analphabète. Si tu es juste un peu différent, ça y est, tu es la vedette de télévision. À tel point, ils sont avides d'avoir de ce multicul. Mais tu vois, ça, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Bref, là, on ne va pas ouvrir ce sujet-là. Non, mais je crois que les spectateurs sont très connus. C'est vrai qu'on pourrait dire un seul exemple. Franchement, il y a un métis en Roumanie, il est à la télé, quoi. Ouais, et non, mais il est pas dans la rue, il est à la télé, quoi. C'est quand même fou. Voilà. Donc, comme tu vois, parce que nous, on n'est que Roumains entre Roumains. Ouais. Et donc, tous ceux qui viennent, ils sont « Waouh, c'est la fête, c'est le meilleur pote ». Mon mari est en français, excusez. Non, mais on va dire, pour rester en politiquement correct, toutes ces décennies de communisme assez dur où la vie était compliquée a donné, dans un effet rebond, l'envie de connaître le bonheur. Voilà, on va dire la liberté, le multiculturalisme, un peu comme les États-Unis finalement. Les Roumains ne sont pas du tout anti-américains, contrairement aux Hongrois ou aux Russes, évidemment. Bon, je pense que le modèle hongrois, c'est un modèle bon à suivre, vu ce qui se passe à l'Occident à présent. Mais pour revenir au français, vu que mon mari est français, je fais partie de la communauté française aussi, de Roumanie. Et donc, mon mari n'est pas si dépaysé que ça. Il y a la Roumanie est très francophone. Bien sûr, c'est plus francophone dans l'environnement citadin que dans le rural. Mais l'école, nous, à l'école, on est obligé dès un âge très tôt, on fait anglais, français. T'es pas perdu ici en tant que français. Mais c'est sûr que la Roumanie, c'est tranquille, c'est plutôt comme la France de l'époque de vos grands-parents. Ouais. C'est peut-être pour ça que les Français se retrouvent un peu plus ici actuellement que là-bas. Surtout, il y a la sécurité, c'est le plus important pour fonder une famille. C'est naturel. Tu penses que, alors c'est un peu une question à 100 millions de dollars, mais tu penses que s'il devait arriver à la Roumanie ce qui arrive à la France, c'est-à-dire, osons le mot, une invasion, est-ce qu'il y aurait une capacité de réaction chez le peuple roumain ou est-ce que tu es inquiet de ça? Je suis très inquiète. Je ne peux pas donner de nom, mais je connais quelqu'un à la frontière, quelqu'un qui, pareil, suivait mes vidéos, qui m'a contacté en privé, qui m'a dit
Vous avez, madame Serre, vous avez raison. C'est exact ce qui se passe. Et vous n'allez pas deviner quoi. Moi, je ne peux pas vous dire ce qui je suis vraiment. J'utilise un pseudonyme et tout ça, blablabla. Mais c'est vrai qu'étant à la frontière, je sais bien ce qui se passe en Serbie, en Hongrie, tout ça. Et vous allez être choqués, mais on nous amène tous les jours des étrangers en Roumanie en secret. Ils n'ont pas de documents. Ouais. Et je ne sais pas si je peux dire ça. Bref, on a, en Europe, on a, avec la médecine, la technologie et tout ça, on a éradiqué quelques maladies ces derniers siècles. Mais apparemment, ces gens-là venant d'autres continents, ils ont ramené des maladies que nous, on avait éradiquées il y a quelques temps. Et ce que je me demande, moi, pourquoi on tient ça secret? Pourquoi on ne doit pas savoir que ces gens-là... Pourquoi on les amène en secret chez nous? Et pourquoi chez nous? Nous, on n'a jamais colonisé d'autres, on n'a jamais... Ouais. Et même par rapport à ça, quand j'entends ces gens-là qui disent « Oh, on vient chez vous parce que vous êtes venus chez nous et vous avez colonisé notre pays. » Oui, mais les Français qui sont allés coloniser, ils ont laissé là-bas des routes, des hôpitaux, des écoles, ouais, des choses, parce que sinon... Ouais, ouais. Il n'y avait que du sable et des chats, on n'exagérons pas. Donc, bien sûr, bien sûr. Donc en fait, c'est ce douanier qui est à la frontière hongroise, roumaine, il prétend qu'on fait passer des non-européens. Oui, et je les vois. On croyait être à l'abri des conflits interethniques. Ici, c'était calme, tranquille. Peut-être pour ça, on ne veut pas ce point d'équilibre, de stabilité. Si on veut le déstabiliser au moins de cette manière-là ou quoi, je ne comprends pas, tu vois. Oui, c'est vrai. En tout cas, oui, c'est insidieux parce qu'évidemment, ce n'est pas du jour au lendemain. Il n'y a pas tout à coup 50 000 immigrés, mais simplement, toi qui a vécu ici depuis que t'es née, tu vois la différence. Encore une chose, ouais. on veut construire, d'ailleurs je fais partie de ce processus aussi avec mes potes les plus connus qui sont dans cette histoire-là. Pourquoi on ne veut pas construire la méga mosquée de l'Europe en Allemagne où il y a des millions de... Oui, de musulmans. Oui. Ah oui, alors où on est ce projet d'ailleurs parce tu que... connais, tu ouais, connais ouais, l'histoire ouais, mais je sais que des... C'est la méga mosquée de l'Europe, quand chez nous il y a deux ou trois ou quatre. Ouais, quoi faire vrai. Pourquoi une méga mosquée ici? Parce qu'on veut amener ici la... Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est louche déjà. Ouais. Et pendant que nous, on protestait à Bucarest, non, on ne veut pas une méga mosquée. Parce que nous, on a une histoire très, très sanglante. Ouais, pendant des siècles, nous, on a tenu cette force qui voulait envahir l'Europe. Ouais. Et nous, on crevait ici sur place à défendre pas que notre territoire, mais en défendant le nôtre, ouais, l'Europe aussi était à l'abri. Oui, tout à fait. Et maintenant, quand les années, nos ancêtres se retournent dans la tombe. Ouais. Pendant qu'on protestait à Bucarest contre la construction de cette méga mosquée à Bucarest, on a construit une autre dans une județ plus près du littoral, apparemment à Călăraș, ou je ne sais pas où. D'accord. Encore une chose en secret. Donc, tu vois, il y a une chose avec qui des, se passe. Avec des financements, des Saoudiens, voilà, des Turcs, voilà, etc. Quoi. Ça veut dire qu'on a prévu quelque chose dans ce sens-là. C'est que Dieu qui sait ce qui va suivre, mais voilà. Moi, j'ai averti tout le monde. Ils n'ont pas voulu bouger. Maintenant, on va subir les conséquences, les Français et les autres. Bon, étant donné que je suis quelqu'un qui dit qu'on est tous frères, je peux pas être par nature raciste. Si moi, ma préhistoire, ma proto-histoire dit que même ceux qui sont allés vers le sud sont des nôtres aussi. Moi, je vois un frère en tout le monde. Ouais. Mais je veux qu'on me laisse tranquille ici dans mon pays. Bien on n'a jamais envahi quelqu'un d'autre. Notre pays, on n'a jamais pris les ressources des autres. Nous, on a toujours été ici, sur place. On nous a toujours battu pour nos ressources. La Roumanie, c'est un pays très riche en richesses de sol et sous-sol. Du coup, on a toujours été envahi par tous les empires, par les uns, les Hongrois, les Romains, les Ottomans. Il y a toujours eu des morts chez nous. Il y avait des générations, on n'avait plus presque quasiment de descendants parce qu'ils mouraient tous sur le champ de lutte. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne veut pas conserver cette... Pourquoi il faut transformer cette Roumanie? Et pourquoi? Je sais très bien pourquoi on fait ça en secret, pour qu'on ne se mobilise pas contre. Mais je ne sais pas ce qui va suivre, je ne sais même pas. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour éviter la colère populaire, voilà, on cache
des constructions, on cache des arrivées, on ne dit pas aux gens, bah tiens, des gens, des étrangers arrivent, etc. Ouais, et moi, quand j'ai fait Bucarest-Paris en voiture, à chaque fois, on m'arrêtait en Hongrie ou je ne sais pas où pour le contrôle de routine, voiture, des documents et tout ça. Mais eux, on les amène et ils n'ont même pas de documents, on ne sait même pas d'où ils viennent, qui ils sont. Oui, c'est vrai que l'idée est insupportable. L'idée que pendant tant d'années, traverser l'Europe était une épreuve. Voilà. Je veux dire, si tu faisais ça en voiture, ça te prenait 5 jours parce que parfois tu restais à la douane 6 heures, une journée entière. Voilà. Et aujourd'hui, en fait, ces gens qui viennent du bout du monde peuvent circuler librement avec une espèce de carte quick. On ne comprend pas ce qui se passe. Ouais. C'est révoltant, quoi. Ceci dit, mais qu'est-ce que risque un non-européen qui se fait attraper dans la rue sans ses papiers? Il y a quand même, par rapport à la loi roumaine, est-ce qu'il n'y a pas une idée d'expulsion, de mise en prison? Comment ça marche? Non, mais c'est une question innocente, quoi. Je veux dire, un Chinois qui vient ici, il n'a pas ses papiers, il ne va pas en prison, quand même? Bon, je ne veux pas parler là où je ne maîtrise pas. Oui, oui. Mais ces gens-là, apparemment, ils ne sont pas si égarés que ça ici, étant donné qu'ils reçoivent des trucs mensuels et on a fait des constructions, on les a mis dans je sais pas quel comment dirais-je, pas des hôtels donc ils ont de quoi dormir, manger, s'habiller, ils ont de tout, pendant que nous on a nos propres vieux retraités pauvres, nos orphelins, nos chômeurs, pourquoi on n'a pas aidé les nôtres d'abord? Bien sûr. Donc, ils ont la protection de quelqu'un. D'accord, ils arrivent à survivre ici, on ne sait pas trop par quels moyens financiers. Non, ils ne sont pas à la survie, ils ont les moyens. Ils ont, je ne sais plus combien, ils ont une somme par jour, je ne sais pas d'où elles viennent. Qui est suffisante pour survenir à leurs besoins. Ils ne savent même pas qu'ils travaillent, ce qui encourage à faire toutes sortes de conneries toute la journée. Ouais, d'accord. Bah, tout ça n'est pas très encourageant, enfin. Ouais. Surtout que tu sais que la Roumanie est quasiment dépeuplée parce que tous ces Roumains mécontents, ils sont partis à l'étranger pour bosser, pour mieux gagner là-bas. Et ici, on nous amène comme si on voulait repeupler la Roumanie, mais en la diluant. Bien sûr. Bon, bah, on ne peut pas trop savoir ce que sera l'avenir, mais en tout cas, c'est un peu sombre. Triste. Le constat est sombre. Ouais. Comment, quelles sont pour toi les solutions pour l'Europe, que ce soit l'Europe de l'Est ou l'Europe tout entière? Est-ce que tu vois quand même un horizon? Comment tu vois les choses? Je commencerai déjà par la réintroduction de l'hymne national à l'école. L'hymne national roumain? Et en France, là, je parle de la France surtout. Donc, la France a besoin d'un rafraîchissement, disons pas nationalisme, mais patriotisme. J'ai l'impression en France, quand je parle de patriotisme et tout ça, comme si je parlais de quelque chose, comme si j'étais méchante. Mais non, on a toujours eu ça comme modèle, le modèle français. On disait même que les Français étaient trop nationalistes, que c'était exagéré. Qu'est-ce qui s'est passé avec le nationalisme français? En fait, c'est l'école, c'est ce lavage cérébral à l'école. Mais justement, est-ce que c'était du vrai nationalisme? Est-ce que c'était pas du chauvinisme? Un peu comme quand ton équipe de foot, elle joue, tu veux qu'elle gagne, mais au fond, tu n'es pas prêt à investir dans toute ta vie pour lutter, pour préserver tes frontières. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, l'idée qu'on avait des Français, elle était très exagérée. En réalité, les Français sont des jouisseurs. Ils aiment le vin, ils aiment manger. Un petit peu. Mais tu veux que je te dise, je préfère ce Français-là que celui qui C'est sûr que le remplaçant. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Français de nos jours? Pourquoi ils ne se révoltent pas? Pourquoi ils ne reprennent pas leur pays? Pourquoi ils ne mettent pas un Français au pouvoir qui fasse quelque chose? Ben, je ne sais pas. Là, on est vraiment plus dans la recherche, dans le dialogue. Tu penses que les mass médias font ce lavage de cerveau, l'école? Ce que je veux dire, c'est que la situation de la France, elle n'est pas exceptionnelle au regard des autres pays. On pourrait se dire, que font les Allemands? Que font les Anglais face à tous ces Pakistanais? Oui, en fait, on parle de l'Occident. On parle de l'Occident. Ouais. Et c'est pour ça que je me posais la question. On voit qu'en Hongrie, il y a une réaction. Avant même que le pays soit envahi, il y a une réaction. C'est pour ça que je me demandais par rapport à la Roumanie, parce que moi-même, je suis dans l'expectative. Je ne connais pas assez le peuple roumain. Ouais. Je ne sais pas quel est son pouvoir de réaction. D'un côté, c'est vrai que les Roumains sont très accueillants. Et de l'autre... quand tu vois leur façon de conduire, etc., il ne faut pas non plus les faire chier sur certains points. Donc, tu ne sais pas si... on ne sait pas encore, Quand il y aura une délinquance immigrée, est-ce que le Roumain va être viril ou non? Et ça, on ne peut pas le savoir. On ne peut pas. Mais j'espère, je voudrais qu'on suive plutôt le modèle hongrois et polonais que celui occidental. Tu connais l'alliance de Visegrad? Oui. Demande à un Roumain dans la rue s'il a entendu parler.
Ils ne savent même pas ce que c'est. Moi, je voudrais qu'on soit ça, dans... Ça, c'est un gros problème. Il y a une vraie... Il y a une inculture politique chez le Roumain. Bah, c'est exprès. On est tenu comme ça pour... Parce que sinon, on voudrait dans cette alliance Visegrad. Parce que ces pays-là, dans les Visegrad, ils se sont alignés. Ils ont dit non, on reste... Oui, donc là, on parle de l'Europe centrale, la République tchèque, la Slovaquie, la Pologne. Ouais. La Hongrie, à une époque, il était question aussi d'introduire l'Autriche. Mais finalement, entre Kurz et Orban, ça n'a pas trop matché. Mais effectivement, on pourrait dire que naturellement, la Roumanie, qui est quand même un grand pays... en superficie et qui est toute proche de la Hongrie pourrait, ce qui ferait un bloc finalement, ça ferait deux Europes dans l'Europe. Et pour l'instant, on n'en suit pas le chemin. Par exemple, la Roumanie a signé les accords, ce qui a été signé en décembre, les accords de Marrakech. En fait, il y a eu un accord qui a été signé. Certains pays veulent faciliter. L'arrivée des migrants, J'ai écrit là-dessus. Et il y a eu la visite de je ne sais plus qui d'autre qui est venu chez nous nous imposer je ne sais plus quel nombre de... Pourquoi on ne doit rien à personne. Pourquoi on doit prendre les leurs, les amener chez nous? Et dans quel but? Et qu'est-ce qu'on reçoit en échange? Et comme tu vois, il y a soit de la corruption, il y a un truc là. C'est ce que j'allais te dire. Qu'est-ce qu'il a reçu l'autre en pour faire... En fait, moi ce que je vois... Enfin, après, je suis là que depuis 6 mois. Peut-être que je me trompe. Mais moins que du gauchisme, je ne vois pas vraiment de gauchisme en Roumanie. Moi, je pense que le cancer de la Roumanie, c'est la corruption. C'est ça. Un peu comme en Italie du Sud, dans certaines îles. Les gens se disent, mais comment des gens aussi virils que les mafias peuvent laisser des migrants? Mais pour l'argent, en fait. Oui, pour l'argent. C'est tout. Parce que tu ne peux pas être en Roumanie de gauche. Ça serait... Non, moi, je n'ai pas vu soit ça. Soit tu es amnésique. Si tu es de gauche, tu as une amnésie ou un truc. Ouais. Tu ne peux pas être de gauche. En tout cas, pas chez les gens qui dirigent. C'est que de la corruption. C'est dur. Hein. Comment sortir de la corruption? Je pense qu'il n'y a qu'une seule solution, encore une révolution. C'est triste de dire, je ne suis pas sanglante. Mes parents ont été blessés pendant la révolution. Pourtant, ils n'ont jamais demandé de dédommagement comme les autres. Il y a d'autres qui n'ont même pas participé à la révolution. Ils reçoivent plein de choses, des trucs, comment ça s'appelle, tu sais. Oui, oui, oui. Bref, mes parents, ils ont eu un brief, comment dire. Ils ont cru là-dedans. Mais voilà. Bah écoutez, heureusement qu'on a ton joli sourire, Christina, parce que le constat est amer. Enfin, le constat est amer. On rappelle tout de même, là, on est dans une projection politique, les amis. Si vous venez nous voir, Christina et moi, à Bucarest, on est encore très bien en Roumanie, sans doute pour des décennies, le temps de construire votre vie d'adulte. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Ouais. Est-ce qu'il y a un an, on pensait que les Gilets jaunes allaient faire cette révolution en France? Parce que quand même, ce qui s'est passé est incroyable. Et s'il n'y a pas eu cette énorme répression policière, il y aurait eu un changement politique, ça c'est clair. Voilà, est-ce qu'on aurait pu croire il y a 5 ans que la Hongrie construirait un mur pour que les migrants puissent pas rentrer? Non, mais c'est quand même fabuleux. En tout cas, on doit se réveiller. Ouais. On doit se serrer les mains entre frères, que ça soit de nord, de l'est, de l'ouest. On est frères. On doit rester européens entre nous, accueillants mais pas trop, et accueillants avec celui qui le mérite bien, pas celui qui vient nous casser la tête. Et voyons, je sais pas, on doit restructurer l'école, restructurer le patriotisme, le nationalisme, les mass media, tout. On doit revenir sur nous-mêmes, nos sources, nos racines. En tout cas, le fil rouge de tout ce qu'on s'est dit ce soir, pour conclure, c'est que voir un peu les problématiques de l'Europe comme il y a un siècle n'a plus de sens. En réalité, tous les pays européens affrontent les mêmes problèmes aujourd'hui. Ouais. On a le tiers-monde qui pousse pour venir chez nous, que ce soit en Roumanie, en France ou ailleurs. Pour l'instant, évidemment, ils vont dans les pays les plus riches. Mais voir le problème à une échelle seulement nationale et pas continentale, c'est un problème, quoi. Ouais. C'est un problème et on espère qu'on vous a fait réfléchir là-dessus. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Sauvons Mama Europa. Allez, très bien. Merci à tous, les amis. À très bientôt. Merci, Daniel. Au revoir.